vous dis franchement, le public à ma gauche et à ma droite sont donc à égalité. Donc applaudissements pour vous-même. Et je tiens donc à rappeler que c'est l'association Mets dans la mer. Mets dans la mer, voilà. La RTB et Télécel vous offrent le Samandé. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Et nous sommes samedi et comme vous le savez, samedi c'est le jour de la détente. La détente c'est sur la RTB, l'émission Samandé vous pousse donc à fond. Et que du bonheur et du plaisir pour boucler la semaine en toute beauté. Merci de nous rejoindre et de nous rester fidèles. Mamour et Nasser, applaudissements pour eux. Parce que moi, je suis fatigué de danser maintenant. Je m'assois et puis je vous regarde. Mais dansez, hein, on vous regarde. Mais dansez là. Merci, 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 merci. Depuis sa tendre enfance, elle a toujours repoussé donc la chansonnette. Elle n'a jamais cessé de faire valoir sa voix lors des activités scolaires, nues culturelles, balles de fin d'année en passant par la chorale. En 2010, elle fait sa première apparition sur les médias nationaux en participant à Faso Academy. Depuis lors, elle a su qu'elle avait donc une place assez importante qu'elle devait occuper sur la scène musicale. En 2014, sort son premier album. La même année, elle est nominée au Koundé et remporte un prix dans la catégorie Révélation aux 12 PCA. En 2016, elle représente le Burkina à une compétition internationale The Voice Africa en Afrique du Sud. En 2018, elle fait partie donc d'un groupe d'artistes internationaux pour une tournée de lutte contre le racisme à travers l'Allemagne et l'Italie. De retour de cette tournée, l'artiste poursuit donc cette activité qu'elle adore, qu'elle affectionne, c'est-à-dire la musique. Elle a fait de nombreuses collaborations avec beaucoup d'artistes. On peut citer entre autres Smokey ou encore Habiba Sawadogo. C'était donc pour la lutte contre la Covid-19. En tout cas, elle a du talent à revendre. Elle est belle, elle est ravissante. Elle est notre invitée et elle est sur le trône. Elle arrive. Voici pour vous, Taliane. Merci, 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 merci. Merci les gars. Merci, merci, merci. Merci. Taliane. Oui. Ah, mais d'abord, avant de commencer, dis-nous ton nom à l'état civil. Mon nom à l'état civil, c'est Nathalie. Nathalie. Traoré. Traoré. Voilà. Traoré Mousso. C'est ça, hein? Exactement. Sumorodo. Oui, ça va. D'accord. Tu as commencé comme bon nombre d'artistes à travers les nuits culturelles, je le disais. Oui, oui. Les balles, les cérémonies de réjouissance. Comment est venu le déclic? Ben, pour dire savoir. Vrai, comment les choses ont véritablement démarré pour toi? En fait... À quel moment tu as su que tu devais être Taliane? Ok. Il faut qu'on commence d'abord au tout début. Absolument. Voilà, il faut le dire que depuis toute petite, j'ai toujours aimé chanter. Mais aussi dans ma famille, il y avait un artiste déjà. Et notamment mon grand frère Saint-Rémy, qui est producteur aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc en fait, je peux dire que j'ai appris beaucoup avec lui, d'abord en famille. Et ensuite, voilà. Cette passion pour la musique a grandi en moi et ça fait que je participais aux activités culturelles de mon école et tout ça. Et ensuite, j'ai fait la chorale. Après, j'ai participé à Faso Academy
où moi-même j'avais représenté la région des Cascades à Ouaga ici. Et c'est suite à ça que j'ai vraiment compris que j'avais quelque chose en moi qu'il fallait développer et qu'il ne fallait pas laisser tomber. Voilà, c'était une passion qui grandissait et voilà. Et 2014, j'ai dit il faut faire sortir un album. Et c'est sorti. Taliane, bonne arrivée encore. Merci. Ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau. Il y a beaucoup de gens, quand on les croise, ils vont dire au lycée, j'ai chanté, au lycée, j'ai fait ci, j'ai fait du théâtre, c'est vrai. Oui. Mais il y a plein qui n'ont pas poursuivi. Toi, est-ce que tu peux nous dire à quel moment, véritablement, tu t'es dit, j'en fais ma passion, j'en fais mon métier? Ben, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est suite à Faso Academy en fait. Quand j'ai fait Faso Academy, j'ai vu quel était vraiment mon niveau, au niveau de la musique et tout ça. Et comme il y avait la passion et tout, la passion était grandissante. Et heureusement aussi, mon grand frère était là pour me soutenir. Donc il m'a poussé là-dedans. C'est vrai qu'il y a la ressemblance. Ah bon? Si on enlève les cheveux, on te met une caméra à la main. Et puis, si Kayaoto est juste à côté, on risque de t'appeler sans Rémi. C'est parti. Ouais. On va rappeler que sans Rémi est donc le producteur de Kayaoto. Oui. Voilà. Voilà. Mamour. Oui, Taliane. Oui. Tout à l'heure, vous avez répété plusieurs fois Faso Academy. Quand vous alliez à Faso Academy, c'était juste un coup d'essai, une opportunité d'apprentissage, ou bien vous vous sentiez prête et vous vouliez peut-être avoir l'opportunité de faire sortir quelque chose à la fin? Bon, déjà, je trouvais à l'époque que c'était une opportunité de me tester parce que j'avais beaucoup tourné et tout. Je faisais beaucoup d'interprétations, mais je voulais faire une compétition pour savoir quel était mon niveau au juste, en fait. Voilà. Donc, c'était ça. Super. Eh bien, ouais. Quelqu'un a une question pour Taliane? Levez la main. Qui veut poser une question à Taliane? Vous, OK. Vous avez le micro. Allez-y. J'aimerais savoir, oui. Qu'est-ce que vous a inspiré à faire cette coiffure? Très belle question. on va tout savoir aujourd'hui. Ouais. Tout va se savoir. Pourquoi cette coiffure? Faut dire que, voilà, c'est une coiffure que j'ai fait et puis voilà, c'était un coup d'essai. J'avais déjà... Déjà mis le modèle non, quelque non, part? Non, au départ, j'avais... les cheveux coupés. Et ensuite, j'ai dit pourquoi ne pas ajouter quelques rajouts. Voilà. Vous voyez l'importance de la question. Parce que c'était pas sa coiffure avant. Okay. Ouais. Elle avait une coupe. Ouais, ouais. Ouais, un peu plus garçon. Garçon, et tout voilà. Ça. Voilà. Aujourd'hui, elle a les mèches. Donc, vous voyez la pertinence de la question. Et est-ce voilà. que la coiffure a un nom? Est-ce que tu l'as baptisée? Bon, je dirais Tali. Tali coiffure. Tali. C'est beau. Coiffure Tali. Ouais, ouais, ça sonne bien. Non bien. Il faut savoir que j'ai ajouté les rajouts en fait parce que j'avais fait un son et je voulais à chaque fois que je suis sur la scène faire un peu de mouvement avec ma tête et puis quand ça bouge comme ça c'est plus joli. C'est beau. Plus, voilà, c'est ça. Eh bien, très bien. On va te permettre de communier avec tes fans qui sont là, oui. Également ceux qui sont à la maison qui nous suivent, oui. Pour ta première prestation. Baden Nouvelle, Terry
pensais que c'est un concert. Lycée, vous aimez les choses gratuites. Achetez le CD. Taliane, oui. En plus d'être une chanteuse au top, oui. Taliane est une excellente danseuse. Ah bon? Je voyais les jeux d'épaule. Et puis, cette chanson magnifie un peu la ville de Banfora. Oui. On a les cascades. En tout cas, la verdure, elle est comme ça. Oui, c'est beau, c'est beau. Ouais. Parce que déjà, c'est la ville qui m'a vu naître et grandir. Tu rends hommage à ta ville. Voilà, c'est ça. Voilà, je dois tout à cette ville-là. Donc, c'était important vraiment que je fasse un son. Comment peut-on qualifier le son de Taliane, le style qu'elle fait? C'est de la variété, c'est un style particulier. Bon, on peut dire que c'est un peu de la variété, mais j'ai commencé avec du afro-hip-hop. Okay. Voilà. Mais je suis un peu dans la variété aussi. Génial. Voilà, c'est ça. Génial. Est-ce que tu nous permets de marquer une pause? Oui. D'accord. Eh bien, c'est maintenant. Ouaga, Bobo du Lasso, Fada, en passant par Zorgo, voici donc les destinations de la semaine avec le radar. Nasser. Oui, Siboné, ce sont les destinations privilégiées du radar. Et pour commencer, nous allons prendre appui depuis la belle cité de Fada, où ce 4 avril, demain dimanche, le jeune Frankie FP va communier avec ses fans du côté de Fada N'Gourma. Et ce serait au Resto de l'Est à l'occasion d'une kermesse inter-établissement. Autre chose, inter-établissement, mais cette fois-ci du côté de Bobo du Lasso, c'est la nuit de l'intégration inter-établissement. C'est le 8 avril, il y aura des prestations d'artistes, piscine party, soirée, bal, avec des jeux concours. Nous continuons notre tournée, tout en restant à Bobo, hein, c'est pour le 10 avril, Starlou, l'artiste Starlou s'attaque au théâtre de l'amitié et invite l'ensemble des mélomanes à sortir pour festoyer avec lui. Et nous allons directement du côté de Zorgo qui dévoile l'affiche 8 de son festival du village du Basga. Ce serait sur le plateau, ce serait des plateaux artistiques. Hein. Et puis on sait que le festival rassemble plus de 20 000 festivaliers. Nous venons à Ouagadougou en commençant par ce quartier quand même qui est en train de devenir petit à petit l'avenir, le futur de Ouagadougou, si on peut me le permettre, Karpala qui est en train de se débarrasser petit à petit de sa poussière légendaire. Et on rassure ses... Toi, tu as rencontré les gens de Karpala. On rassure les habitants de Karpala, hein, de cette autre contrée de Ouagadougou, que nous serons bien avec eux les 2, 3 et 4 avril pour festoyer à l'occasion de Karpala City Festival. Un joli nom quand même pour ce festival, Karpala City Festival. Il y aura des formations, des rues marchandes, des spectacles également. Voici un autre festival qui va se tenir sur deux jours, les 9 et 10. Il s'agit du festival Pico, avec en tête d'affiche l'un des cinq loups de Kifnobit, c'est Didi B, qui sera de la partie, qui va venir donner un show, un spectacle spectaculaire, comme nous le promettent l'artiste et puis les organisateurs. Compétition After School Mag, ça fait quand même des années que... cette activité, hein, rassemble des jeunes universitaires et scolaires pour des compétitions, également des artistes invités pour la prestation. Donc nous vous invitons à sortir massivement le 10 avril du côté du CIAO pour After School Party. Festival Art et Culture, Festival des Arts et Culture de Burkina Faso, c'est du 5 au 11 avril sur le terrain Garga. Et nous allons retrouver cette fois-ci Bill Akakura qui, à l'occasion de la sortie de son clip, d'un des clips, pour dire le deuxième clip de son album, Foulou, sera sur scène. Toujours un grand bonheur de le voir sur scène, Alif et Bill Akakura, pardon, oui. On attend l'image qui va s'afficher. C'est le 9 du côté du rendez-vous. Et concert à ne pas manquer sous aucun prétexte. Et puis profiter, découvrir le nouveau clip que l'artiste va mettre sur le marché. On termine avec des remerciements, oui, de la part d'un monsieur que vous connaissez désormais. Il s'agit de Diakassa, qui après avoir raflé 4 trophées en 2020 au Marley d'or, après avoir été nominé aux victoires du Marley en France dans la même catégorie que Burna Boy et Tikenja Fakoli, mais que Tikenja a remporté finalement. Il revient au pays, il dit,
je vous donne un concert national de remerciement le 8 avril. Donc 8 avril, on se donne rendez-vous du côté du Sénaza. C'est tout pour le tour d'horizon de l'actualité de la semaine. D'accord. Ben, on va prendre rendez-vous pour la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Talia, oui. Dans ta biographie, on a vu que tu as participé à une tournée donc, contre le racisme en Allemagne et en Italie. Oui. Et peux-tu nous dire dans tes différentes compositions, quels sont les thèmes que tu abordes? Ben, il faut savoir que j'aborde beaucoup de thèmes. Je parle beaucoup de paix, d'amour. Et puis aussi, voilà, des thèmes de sensibilisation, par exemple, pour coronavirus. Et ouais. Voilà. Où tu étais aux côtés de Smoke avec Habibou Savadogo. Mm-hmm. Et Mamour, une question pour... Il y a eu un bon moment. Taliane avait un peu disparu. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'était à cause des tournées dont vient de mentionner Siboney ou bien il y avait autre chose? Bon, d'abord, il faut savoir que Taliane est maman. Voilà. Applaudissements pour Taliane. J'ai voulu dire applaudissements pour Taliane, maman. Taliane, maman. Voilà. Donc, c'est... Voilà, donc c'est un peu ça, la raison de, du fait que j'ai un peu disparu de la scène. Mais tu n'as pas donné toutes les raisons, hein. C'est pas seulement ça, parce que maintenant aussi tu es une femme d'affaires. Ouais, ouais. Mais tu as voulu occulter cette partie, mais nous sommes dans les secrets des dieux et nous le savons. Hein? Oui, on savait que Taliane aussi est dans d'autres activités. Ouais. Enfin, par exemple, j'ai une structure de communication que je gère, et aussi du commerce. En tout cas, je suis dans pas mal d'activités. Et cela se voit, ça se sent. Ah bon? Tu rayonnes et ça s'applaudit. Génial. Merci. Mesdames, messieurs. Ah non, aujourd'hui, je suis particulièrement content de ce public-là. L'association met dans la main. Et c'est d'ailleurs pas la première fois qu'on se retrouve sur ce plateau. Ils sont dynamiques, ils ont de la ferveur, ils ont de la fougue. Et puis, voilà. Plus particulièrement ma petite sœur, mes deux petites sœurs qui sont là. Je vous aime, je vous adore. Ce n'est pas du népotisme, non, pas loin de moi cette idée-là, ce n'est pas du népotisme, mais j'ai remarqué qu'elles sont chaudes. Ouais, applaudissements encore pour vous. Que les Gourousi et les Yatsé aillent se faire voir ailleurs. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Alors, les pots, ce n'est pas ce qui manque dans cette émission. Ok. Il y en aura et il y en a toujours. C'est tout de suite et maintenant. Eh bien, cette fois-ci, je me retourne vers Mamour. Oui. Tiens, ça là, c'est des... La carte de l'Afrique. La carte de l'Afrique. Les couleurs de l'Afrique. Faites un gros plan sur le visage de Mamour, s'il vous plaît. La carte de l'Afrique. La carte de l'Afrique. Les couleurs de l'Afrique. Le rouge pour la combativité. Oui. La couleur verte pour la richesse naturelle de l'Afrique. Et la couleur jaune pour notre richesse minière. Moi, il y a deux couleurs qui m'attirent ici. Le jaune, très jalouse. Ah. Le rouge, une personne qui veut s'imposer, qui a une force de caractère. Non, qu'est-ce que vous voulez qu'on rentre dans la définition des couleurs? C'est ce que nous allons faire. Bon, bref, on va aller à l'essentiel, parce que c'est le plus important. La balade, après Tampouille par la Yiri. Aujourd'hui, nous sommes à Kossodo. Exactement. C'est le secteur 41 de l'arrondissement 10. Eh bien, regardons. Pour moi, elle vaut de l'or. De ma ville, je suis l'or, mais je ne peux pas payer sa dot. Je connais Ouaga comme ma poche. Pour moi, elle vaut de l'or. De ma ville, je suis l'or, mais je ne peux pas payer sa dot. Six motos qui passent, prr, prr, koyo, koyo. Étudiant qui marche, fata, fata, son barocolo. Soleil va tuer policier. Pardon, mon nom, c'est la voix de tambour qui va tuer. Avec son chaudeau. Bienvenue à Ouaga. Mon nom, c'est
Mon nom c'est Dali Yamba. Julien Aimé, ça va le moins de mal. Vous voyez l'artiste Kanye Oto. Le petit, il est trop bon. Mbaba Dara Ligri, le morceau même ça me plaît mal même quoi. Ouais, le morceau là ça me plaît. Alors je dis bien des choses, on ne se connaît pas d'abord, mais je vais faire tout pour lui voir, face à face comme ça, et causer avec lui. Le gars il est trop bon pour moi. Ouais, c'est mon fan comme ça. Et puis je vais dire aussi au vieux père Floby. Des artinos, d'appeler l'enfant et puis l'encadrer un peu. L'encadrer, l'enfant a besoin d'aide d'encadrement. Il faut qu'on l'encadre un peu, sinon il peut évoluer. Je gère la situation. Il y a le café, il n'a pas de son port. Voilà.
Bon, bonsoir Isaïe. Bonsoir Zakaria. Chenne. Yererema. 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 Eye, yerie, yererema. La tout a commencé. Oui. Avec Yasmina, on était tellement bien ensemble. Oui. L'amour parfait, mais ses parents ne voulaient pas. Oui. Tout simplement parce que je suis un artiste. C'était trop galère. C'était si l'on fait partie. Là-bas, très loin de moi. Puis jamais que je la revoie. J'ai tout essayé, mais rien n'a marché. Puis des années se sont passées. Je n'ai souffert de son absence. Pour ma carrière musicale, il fallait bien et je l'ai oublié. Yererema. 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 Quand tout a commencé avec Yasmine, on était tellement bien ensemble. L'amour parfait, mais ses parents ne voulaient pas. Tout simplement parce que je suis un artiste. C'était trop galère, et c'est ainsi qu'ils ont fait partir. Là-bas très loin de moi, pour ne plus jamais que je la revoie. J'ai tout essayé mais rien n'a marché. Depuis des années se sont passées. J'ai tant souffert de son absence. Mais pour ma carrière musicale, il fallait bien que je l'oublie. Christine, avec elle je me suis marié. Même si je n'avais pas oublié Yasmine, tout allait bien et j'étais heureux. Jusqu'au jour où elle décida de revenir au pays. Je ne pouvais pas savoir qu'elle m'avait pas oublié. Je ne pouvais imaginer qu'elle m'aimait encore comme le premier jour. Un jour à la maison on frappe à ma porte. Tout fatigué je vais ouvrir et je me retrouve face à face avec la Yasmine. Mon cœur s'est coupé. Pour le moment, moi, mon artiste préféré, c'est DJ Mix. Parce que
sa manière de chanter, sa manière de dire les choses. C'est de la pure réalité. Et l'amour, c'est compliqué, c'est pas du tout facile. C'est le Didier là. Bon, j'aime Hamzy, super Hamzy. Son style de rap, c'est bon, ça donne des conseils. Et là-bas aussi, bon, il raconte ce que c'est que la vie aussi, bon, ce que la vie se passe quoi. Asankar biga for me mambi, mona biga for me mambi, zenam bi mama panenchi, nim zim tera tifone jen, biron kavira tazar la pagunda. Asankar biga for me mambi, mona biga for me mambi, obietum bi wama panenchi, nim zim tera vasi mambi. Biran kaviri, nid bi kapari, zabran kachi, tipen kafari, fusan kanabu, fning of minkari, kanir yelie basuki alfa. When you bump your head, my five name am yemre, at your wings who's a great, kafu yelie belia beli, pork is rat, zipo rat, pork is rat, zipo sablat, pork is rat, zipo bel rat. Dama munat yetub koyinda pasikde wado sen sokum diste pasikde wado sen sokum diste. Ya win kumpang la konsouli sans carré ton fan en chimé. Bokim bin we sarati widigi agando tabartinga timini. Win lokami adon pasame kane kane nanti kanam dasare. Ti beba kawin ob nan nam same barak sambe ni fo win up te mani. Ya ton la kombi paturi ele je gom non paro yo na chini gole. Lo ganto katar matumye kunte a winde kaze trabinye. Pourquoi il se rate, c'est pour mon rat. Pourquoi il se rate, c'est pour sa rat. Pourquoi il se rate, c'est pour mon rat. Dans mon monat, il est tout quand il me. Parce que tu es, 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 parce que tu es. Asama beaucoup mon pas secret, Aziz beaucoup mon pas secret, Atidi Moudor mon pas secret, pas secret, pas secret. A Folie Bamia mon pas secret, A Imuro le chant mon pas secret, A Cher Sapsa mon pas secret, pas secret, pas secret. Pas secret, pas secret. Pas secret, pas secret. Ton tiangarama, man, a ton musicien ma pang, which I work at farm. Voilà. If Hunter was in Muni Beda, what point? You know what he came to the Timatabram to a wheel to ton musician of the car, cut him pam baffy. Donc, what musician are you in his area? What can I yield? Jam now you were to be to sunny yearing and king, get him to turn young how you're waiting a year ago, Yakovana. But another one. Let me take away. Tony musician, what got you two pieces even to be king, get him. Donc, ton goût à moi, t'es mal à tout. Non, mais force est de reconnaître que le message, il est très clair, il est précis, il est circoncis, parce qu'il dit que ça ne sert à rien de faire venir des artistes. Nous ne sommes pas xénophobes, loin de nous, cette idée qui nuit, forcément. Mais il faut d'abord apprécier ce qu'on a. Hein. On a des valeurs ici, des valeurs sûres d'ailleurs. Quand ils ont ces valeurs-là, ont donc leur spectacle, c'est 2000 francs, c'est 1500 francs, mais on fait venir des artistes d'ailleurs et on les paye à 50 000. L'entrée, c'est 50 000, souvent c'est 100 000. Bon, je pense que c'est un peu deux poids, deux mesures. Hein. C'est à revoir. Il faut revoir la copie.
C'est très important. Exact. Alors, Talia. Oui. Tu es sur scène, ça fait quand même plus d'une décennie aujourd'hui. Hein. Non. Bon, ça vaut 10 ans quand même. 2010. Bon, 2010. Si on doit compter, voilà. Bien sûr, mais tu étais sur la scène. Parce que l'Académie, c'est une grande scène. Parce que oui, ça t'a permis également de te propulser. Oui. Voilà, oui, donc. Oui, et ton regard est sur l'état actuel de notre musique. Oui. Il faut savoir que la musique burkinabé est plein, est remplie de talents en fait. Une jeunesse vraiment qui veut innover, qui a vraiment du talent à revendre. Mais il y a un gros problème qui est là, le problème de production et le problème de mécène. Voilà. Mais je pense que... Mais aujourd'hui, est-ce qu'on va parler un peu de production? Parce que les artistes, pour la plupart, font de l'autoproduction. Donc, à ce niveau, je pense que ça va. Peut-être c'est le canon de distribution. Non, ça ne va pas. Okay. Normalement, l'artiste doit être, comment dirais-je, tranquille dans la tête pour mieux travailler sur sa musique. Il ne doit pas être producteur en même temps artiste. Mais c'est les artistes, c'est un choix apparemment. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas. C'est parce qu'il y a un manque de production que les artistes même s'autoproduisent. Voilà. Donc le problème est là. Il faut que vraiment les gens prennent ça au sérieux. Que les gens sachent qu'il y a beaucoup de talent au Burkina. Mais il y a un problème, il y a un sérieux problème de production. Voilà. Donc pour toi, ce qui peut être fait pour donner plus de visibilité, oui, il faut que chacun s'y mette. Voilà, il faut que chacun s'y mette, les mélomanes, les médias, les journalistes, les artistes aussi doivent bien travailler. Et ensemble, on va élever cette musique-là. Voilà. Et je pense que pour l'international, il faut plus des canaux de distribution. Oui. Ça, c'est aussi important. Maman, une question pour... Oui, une toute petite question. Okay. Taliane, il y a une grosse équipe derrière vous qui vous accompagne par rapport à vos concerts, par rapport aux émissions auxquelles vous participez comme Samandin, oui, par rapport à votre style vestimentaire. Mm-hmm. Comment ça se passe? Ben, il faut savoir que, voilà, il y a, comme tu l'as dit là, j'ai un staff, un photographe qui me suit lors des activités, des spectacles. J'ai un styliste. Quand je viens pour une émission comme Samandé, il m'habille. Et aussi, voilà. En tout cas, j'ai une équipe derrière moi qui me pousse, qui me soutient. Au studio aussi, il y a quelqu'un qui m'accompagne au studio. Voilà, le directeur artistique qui me dit, fais ci, fais ça. Non, tu as chanté comme ça, c'est pas bon, il faut... Est-ce qu'il t'arrive souvent de prendre des compositions, je veux dire, de faire composer tes chansons? Bon, jusqu'à présent, je compose moi-même. Voilà, la majeure partie de mes chansons. Et comme je chante beaucoup plus en djoula, voilà, donc ça fait que généralement c'est moi-même qui compose. Voilà. Mais j'ai commencé aussi à chanter en français aussi. Je fais le mélange en fait. Voilà. N'empêche que si quelqu'un a une inspiration et qu'il sait que voilà, il ne peut pas se produire ou un truc comme ça, il peut proposer. Ailleurs, les gens ont compris ça. Les Rihanna, les Beyoncé, ils le font. Voilà. Donc, n'empêche pas. On a même connu ça ici au Burkina à une certaine époque. Oui. Vous savez, il y a des artistes de renom que nous avons eu, paix à son âme, Georges Ouédraogo. Oui. Et la plupart de ses chansons étaient composées par Dim Jérémy, par exemple, qui était un grand compositeur, et qui est toujours un grand compositeur. D'ailleurs, je profite donc de l'occasion de faire un big up parce que c'est lui, le directeur artistique donc, du VMAO 5. Nasser, une question? Oui, Taliane, on a parlé de mécénat, on a parlé de l'absence de producteurs qui fait que les artistes se rabattent sur leurs propres moyens. Mm-hmm. Et on a surtout parlé de la valorisation de nos artistes. Oui. Moi, j'aimerais savoir, toi, Taliane, quelle est la place, quelle est la valeur que tu donnes à ce qui est de chez toi? Je parle des instruments, des rythmes, parce que le répertoire, je vais pas limiter à Banfora. De cette zone, c'est très riche. Oui, c'est très, très tellement riche. Il y a plein de richesses du point de vue folklore, tout ça. Donc, franchement, moi, j'ai toujours, dans toutes mes chansons, j'ai toujours mis en avant
les instruments de chez moi, genre balafon, djembé, même la kora et tout ça. Voilà, donc je trouve que c'est assez, c'est très très important. Parce que moi j'ai fait cette tournée internationale là dont on parlait tout à l'heure. J'ai compris à quel point c'était important de mettre en avant sa culture. Voilà, parce que dès que tu es à l'extérieur, c'est ça qui fait ton identité. Voilà, donc imagine que tu as chanté une chanson européenne, tu vas aller croiser des Européens là-bas encore, et bon, ça fait trop. Donc c'est mieux de mettre en avant ta culture. Et de temps en temps mettre des instruments traditionnels et aussi chanter en langue même, pourquoi pas. Tout ça c'est bien, tout ça c'est notre identité et il faut vraiment qu'on valorise cela. Voilà, c'est important. Et je vois le Kayawoto, je vois Amzi et tous, ils chantent en morée, c'est déjà bien. Ils font du hip-hop en morée, c'est bien. Si un jour ils croisent Maître Jim quelque part dans le monde, ils pourront, comment dirais-je, je vais dire, ils ne vont pas ressembler à Maître Jim parce qu'ils ont leur particularité à eux. Ouais. Voilà. Donc c'est important, c'est vraiment important. Moi, j'incite tout le monde, tous les artistes à beaucoup miser sur la culture. C'est la important. Musique est un roi, le patrimoine, il faut donc le valoriser, ce patrimoine-là. Oui. C'est très important, il faut l'applaudir, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, c'est le Samandé, c'est le devant de la cour, c'est ça? Traduction. C'est le devant de la cour. Littéral. Terre à terre. Le devant de la cour. Apparemment, tu ne parles pas morée. Hein. Après 20 ans, Oradou. Bilfo, tu vois. tu es comme Nasser. Pardon. Hein? Non, Mamia Yabade. Mamtoen Koura, Nyam Fani More. Tu sais, viens, Oradou, il ne faut pas parler More, tu vas voir comment tu vas manger ici. Ok. Eh bien, nous allons nous arrêter pour la dernière étape de cette émission. Dans le rétro de ce soir, deux jeunes garçons qui, à travers donc l'humour dans le chant, nous parlent du triomphe du bien sur le mal. Nasser. Oui, ce soir, nous plongeons dans le rétro avec toute la spiritualité qui sied, hein, parce que demain, le monde entier va célébrer avec les fidèles chrétiens la résurrection du Christ. Donc, bonne fête à tous les fidèles chrétiens du monde entier et particulièrement ceux de l'Afrique. Oui, l'Afrique, ce beau continent qui a été visité par le Christ, on se rappelle. Désolé pour les enfants de l'an 2000, hein, ils n'étaient pas encore nés, mais les anciens se rappellent très bien du passage du Christ sur le continent africain, puisque l'événement a été traduit, on a parlé de l'événement dans les médias, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive, et ça a même été chanté par deux garçons du côté de la lagune Ébrié. C'est deux poids lourds, dans tous les sens du terme, du mouvement Zouglou en Côte d'Ivoire, nous ont relaté cette journée magnifique en chanson. C'était dans leur tout premier album en 2000, intitulé Victoire. À travers la chanson du même nom, mesdames et messieurs, ils nous racontent la bataille ultime, le Nyaga de tous les Nyagas, cette parodie de la victoire du bien contre le mal. Et mesdames et messieurs, c'est la victoire du Christ sur Iblis. Cette victoire n'était qu'une formalité d'ailleurs, parce que après cette victoire, le Christ n'a remporté d'autres, dont la victoire sur la mort. Et c'est ce que nous allons célébrer demain. Donc, bonne fête à tous les fidèles chrétiens. Bonne fête de Pâques. Voici Victoire, Yodo et Siro. Vraiment ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Dieu a créé ce monde avant tous ses habitants. Tellement amour, il a créé aussi Satan. Mais dans la vie, il sait qu'il peut te frapper, il sait pas qu'il va te tuer. Lui Satan, tellement mauvais, il a blagué Adam et Ève, il a pris le monde de Dieu. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Dieu pour sauver son monde, il a envoyé son fils unique avec le plan de bataille. Jésus est arrivé, il a créé beaucoup d'églises. L'assemblée de Dieu, attaquer tous les maquis. Royaume de Dieu, attaquer les cinémas. Protestants baptistes, et il se promène pour prêcher. Tellement fâché, il a créé des églises. Au bas
vois des plages là-bas en porte pas chez lui. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et du moins, j'ai pas ça, c'est là, Satan, il m'a appelé. Il dit Jésus, elle est foutaise. Il a pris mes maquis, il a pris mes cinémas. Aujourd'hui, tout va finir. Satan est arrivé dans un kimono noir. Tiberland dans son pied, son nez était percé. Tellement diva, il ressemble à Goliath. Goldorak, on dirait un cyborg. Une lumière jaillit, c'est là Jésus est arrivé. Dans un kimono blanc, ses barbeaux dans son pied. Cheveux bien coiffés, tellement petit, j'ai vu Satan va le tuer. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. J'ai des jambes de Satan, j'ai des jambes de Jésus. Il n'y a pas eu ouverture, le nada est inséré. Ça chauffe, ça chauffe. Coup des pieds de Satan, Jésus a bloqué. Coup des têtes de Jésus, Satan a dribblé. Le nada était mortel. Ça chauffe, ça chauffe. Tellement ça chauffe, tout a jamais été sorti. Abobo est venu, comment s'il était présent. Même le bataille était témoin. Ça chauffe, ça chauffe. J'ai des jambes de Jésus, ouverture de Satan. Jésus n'a pas donné d'en haut, un petit crochet, le Goliath a pris KO. Oh, victoire. So on the food, so that the state, tu as regardé la balade, tu n'as même pas donné ton appréciation puisqu'on t'a pas demandé. Mm-hmm. Tu avais regardé la balade avec Mamour là. Oui. Comment tu avais trouvé? Oui, j'ai trouvé ça bien, oui. Le rétro que tu viens de voir également. Oui, ça, j'écoute ça depuis que j'étais toute petite. Hein. Et on a toujours suivi ça au Remdogo. C'est vrai. Oui. Alors, parle-nous de ton actualité. Oui. Il faut savoir qu'actuellement, je suis en train de travailler sur un album. Comme elle a dit tout à l'heure, j'ai disparu un peu. Mais là, je suis en train de travailler à revenir. Okay. Donc, je suis sur un album. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça qui est là. D'accord. Actuellement. Ok. Mamour, oui? Le public, c'est l'association Mets dans la main. Exactement. Ils sont toujours là, toujours prêts. Et on va donc te laisser t'entretenir avec eux. D'accord, une association très dynamique, à forte mobilisation, parce que ça fait la troisième fois que cette association est là. Et à chaque fois qu'elle est là, nous refusons du monde. D'accord. Donc c'est à saluer, ce sont des volontaires. Ouais.
messieurs. Nous allons donner la parole à monsieur Monet Denis, qui est le responsable en charge des activités socio-culturelles. Et il va nous donner l'objet de la présence de l'association aujourd'hui. Effectivement, je me nomme Monet Denis. Je suis responsable chargé des activités socio-culturelles de l'association Main dans la main Peuple Uni au Burkina Faso. Je profite de votre micro pour dire un grand merci au DG de la RTB et son personnel. Et le plateau ici présent également, un grand merci. Je prends la parole au nom du président de l'association Main dans la main, Monsieur Ben Darga Seydou, qui réside en France à Toulouse. Le vice-président également, Monsieur Zéba Zakara, s'excuse pour les raisons de travail. Donc je suis là pour représenter l'association ce soir. D'accord. Voilà, merci. Alors, elle vous a demandé l'objet de votre présence. Notre président ici s'est venu vraiment dire déjà étaler nos programmes d'activité de l'année 2021. Le dimanche passé, on a eu à mener notre première activité qui était, comment on appelle ça, une campagne de dépistage des yeux. On appelle ça, c'est grâce à l'ONG, une ONG qui est venue à notre aide, qui est venue nous soutenir. Et puis, on a fait le dépistage des yeux gratuitement, qui s'est déroulé dans l'arrondissement 11 de Karpal. Okay. Voilà, on a d'autres activités qui sont en cours. Le 16 avril, voilà, on aura une activité également, on aura une sortie qui sera à Waïgouya, envers des déplacés internes. Okay. Voilà, on ira vraiment les soutenir, leur donner des dons, des vivres, et puis les réconforter moralement également. D'accord. Il y a plein d'autres activités qui sont en cours. Bon, je ne sais pas si vous me permettez, en tout cas, il y a tant d'autres. Et on a également une journée de salubrité. Et à l'interne ici, au niveau de Ouagadougou, nous allons essayer de frapper également de porte en porte des personnes vulnérables. Et quoi qu'on dise à Ouagadougou, quand vous circulez dans la rue, vous voyez des gens qui mendient de gauche à droite, qui ont laissé leur zone, leur région pour venir. Nous allons en fait essayer à nos moyens de bord, venir en aide ces personnes-là pour vraiment qu'ils puissent être un peu soulagés. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça s'applaudit. Merci. Bonjour. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? C'est pour le changement de la carte SIM. Votre CNIB, s'il vous plaît. Génial! Télécel Faso vient à vous avec les points Télécel Proximité. Pour toute opération liée à la 4G, telle que l'activation de la 4G+, le changement de SIM ou encore pour tout autre service de Télécel, rendez-vous à un point Télécel Proximité. Pour connaître le point Télécel Proximité le plus proche de vous, appelez simplement le service client au 78 80 80 80 et profitez de la meilleure connexion Internet. Waouh! En plus de la 4G+ activée, j'ai gardé tout mon répertoire, c'est super ça! Avec Télécel, vous êtes satisfait ou satisfait? Bonne journée! Merci! Télécel, offrir plus. Nasser, une question pour Taliane, peut-être la dernière. On va dire quoi? Elle nous a parlé de son actualité, elle nous a parlé d'album et côté scène. Est-ce que déjà le retour se fait à travers les scènes? Parce que je pense qu'il y a un mois de cela, j'ai vu Taliane du côté d'un espace. Et les jours à venir, est-ce qu'on pourrait venir t'applaudir quelque part? Après l'émission, je serai du côté de Somgandé. Okay. Pour le festival CKO. Voilà, donc j'invite tous mes fans à sortir massivement. Venez, on va faire le show, on va s'amuser. On peut t'accompagner. Vous êtes invités. Nous allons t'escorter. Et puis, il va falloir que tu viennes en aide justement à cette association Main dans la main qui œuvre pour les déshérités. Oui, pourquoi pas, ça me fait plaisir surtout de soutenir les associations. Ce sera avec plaisir. Ok.
Taliane. Oui. Vraiment, le plaisir, il est immense. Ah ouais, moi tu aussi. Pourras revenir quand et comme tu voudras. Merci, les merci beaucoup. Les portes de cette émission, merci, merci. Tu restes grandement ouverte. Merci. Peut-être un dernier mot. Oui, voilà, donc je voulais remercier tous mes fans qui ne cessent de m'écrire, qui ne cessent de m'envoyer des messages pour voilà, me donner de la force, m'encourager. Je remercie tous les médias, les journalistes, tous ceux qui m'accompagnent. À chaque fois que je fais sortir quelque chose, ils sont là, ils me soutiennent. Et je te remercie aussi. Je vous remercie de m'avoir permis d'être là ce soir ici. On est ensemble. Et voilà. Donc, on est ensemble. Sachez que votre artiste est en train de travailler fort, fort. L'album qui vient, ça va être super. Donc... Donc, restez branchés. Connectez-vous à mes pages... À mes pages sociales, notamment ma page Facebook qui s'appelle Taliane. Voilà, Taliane, T-H-A-L-I-A-N-E. D'accord. Voilà. OK. Eh bien, on va donc boucler la boucle. Mais avant, je tiens à dire merci à nos amis de Télécel, partenaire officiel donc, de cette émission. Et comme vous le savez, Télécel est donc en campagne pour Télécel Proximity et la 4G+, donc de Télécel, toujours fiable. Mmh. Eh bien, voici maintenant pour ta dernière prestation. Mmh. Je n'ai peur de rien, je le sens tout froid, je suis sexy. Et quand je passe, tout le monde m'adule. Je suis de l'air, je suis comme le soleil. Je suis Guata, on m'appelle la Garenie.
poussez, on va vous montrer où vous voulez payer donc la cassette. Voilà, parce que vous voyez, on peut pas. Elle a fait un spectacle gratuit comme ça pour vous, grâce au Samadé. Applaudissements pour elle. Merci à toute l'équipe, merci à Taliane. Et puis, on se retrouve, si Dieu le veut, la semaine prochaine pour une autre parade du Samadé. Assalamu alaikum. Cette émission vous a été offerte par la RTB et... Télé 16, offrir plus.